Ouais, je sais pas comment il fait, Comment il s'appelle? Hé, Daniel! Alors, oui. Daniel! Oui! Ça va, ça va ou pas, là, la cuisson? D'accord. Oui, oui, mais tu m'as remis une demi-douzaine! Oui, 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 il y a les gosses de à côté, là, qui arrivent, ils ont fait, je te le dis. Bon. C'est pour la fête, c'est pour la fête de samedi, mais d'abord, ils veulent un peu, ils veulent un stand de dégustation, ils veulent faire une dégustation à la mairie, et je te le dis, ben voilà. Alors tu les cuis bien, hein, bien poué, au conseil, ils m'ont dit, ils aiment bien que ça soit craquant, hein. Pas trop mou. Hein. C'est un peu. Ah mais non, santé, mais excuse-moi, c'est bon Daniel, attends, je suis concentré avec ces messieurs-là. D'accord, c'est bon, c'est bon. T'as le quartier libre, t'as, enfin, je délègue. Je bois mon petit lait du matin. Et là qui prend le marché, il commence à la bibine, voilà, c'est très soft, c'est du lait, entier, et si possible, voilà, bon, c'est ça qui fortifie un peu la bestouille. Bon, je vais faire juste parce que j'ai repensé un petit peu, là. Voilà, mais cette introduction d'hier, j'ai oublié peut-être un peu, enfin bon, je vais vous faire un petit coucou, mais je vais compléter un petit peu. Il y a peut-être des sujets qu'on n'a pas évoqués, voilà, et qui pourraient être importants. Étudier, j'ai envie de dire, voilà, donc voilà, parce qu'on est là pour partager, enfin c'est plutôt moi qui parle, vous êtes plutôt un peu inaudible, enfin bon, vous voyez, c'était pas, enfin bon, ça me regarde, mais enfin bon, moi je vais exprimer ce que j'ai exprimé, mais il y a des choses que j'ai pas encore exprimées, qu'il faut exprimer, qui sont importantes d'exprimer, j'ai envie de dire. Et parce que bon, vous parlez de collectif, on dit qu'il fallait solidifier les choses, structurer, naturellement, ça reste toujours valable. Je suis pas une girouette, moi, mais j'aurais un peu de mal à avoir la bougeotte, j'ai envie de dire, je suis plutôt quelqu'un de stable, structurellement. Et mais voilà, j'ai envie de dire, par rapport à toutes les conneries, bon, ben, on parlait de l'histoire, le Zimourien, le machin, le Limurien, le bizarre oui, là, triangulaire, là, il a le visage triangulaire, mais il a le cerveau plat, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu bizarre, il est bizarre, celui-là, bon. Enfin bon, on va pas focaliser non plus sur ce monsieur, il doit représenter plein de monde qui pense comme lui, voire pire. Je peux vous dire que parfois je peux en croiser des gens qui pensent des choses un peu extrêmes comme ça. Bon, alors parfois ils peuvent avoir l'air sympathiques, paradoxalement, puis après ils commencent à vous déblatérer des choses. Bon, on les laisse parler parce qu'on est démocrate, c'est la démocratie. Il faut laisser parler, même s'ils disent des conneries, il faut les laisser parler. Voilà, d'ailleurs, ça me fait penser. La censure, non. Bah, sauf dans les cas extrêmes, j'ai envie de dire. C'est comme quand vous êtes en marche, quand on commence à s'étriper, et puis parfois t'as des mecs qui, voilà, qui exagèrent, qui rajoutent, qui machin, et puis, ben, bon, qui mélangent agressivité, violence et dynamisme, j'ai envie de dire. Bon, ben, alors là, tu les écartes un peu, tu laisses machin, tu les calmes un peu, tu les prends un peu de côté, tu les prends à côté, et tu les calmes, et puis tu te calmes la radeur, et ça passe, voilà, c'est xénophobie, humeur, bon. Après, pas t'as des causes structurelles, j'ai envie de dire, bon, mais les causes structurelles, tu peux y aller. C'est comme ça, c'est comme le nuage, t'as des nuages qui flottent, qui pissent, mais ils arrêteront jamais de pisser, c'est comme ça, tu pourras pas les transformer en soleil. Bon, après, bon, pas difficile. Donc voilà, le soleil, il faut un peu, bon, tu laisses passer, tu laisses vivre à côté, puis machin, tu fais pas attention, quoi. Après, quand les mecs, ils monopolisent la parole, comme le Muriel, là, le bizarroïde, là, bon, qui est a priori sympathique, moi, je sais pas, là, je sais pas, il nous fait le dieu donné à l'envers, lui, il est impressionnant. Il focalise toujours le même angle de vue, il focalise sur l'islam. Bon, moi je vous dis l'islam, j'ai pas de problème, honnêtement, moi j'ai pas de problème avec l'islam. Alors, vous allez me dire, bon, c'est classique, oui, c'est classique, en même temps, en ce moment, j'ai l'impression que c'est pas si classique que ça. Bon, mais je vois, moi, j'ai pas eu de problème, j'ai des clients, voilà, ils sont pas difficiles. Bon, alors moi je vais les panisser, alors que je mette du cochon, bon, après moi je le connais, voilà.
En général, on aime bien le cochon dans la rayon ou dans le cochon de devant, comme on dit. Ben, c'est beau, alors voilà. Ceux qui prennent pas du cochon, ben, ils prennent pas du cochon. Et ceux qui en prennent, ben, ils en prennent. J'ai envie des vérités dans la palisse, ben, c'est vérité. Les vérités sont bonnes à dire quand elles sont simples, hein, j'ai envie de dire. Toujours, d'ailleurs, bonnes à dire, ben, c'est beau. Et puis voilà, moi j'ai des appendis, j'ai un Tunisien, j'ai un Algérien, j'ai un Marocain, j'ai de tout moi. Et puis mais voilà, et puis il faut le travailler correctement, j'ai jamais de problème jusqu'à présent. J'ai toute la Maghreb ici, voilà, j'ai toute la nationalité, ça se passe bien, voilà, parce que c'est comme au rugby, je vous dis. On accepte tout le monde, à partir du moment où vous faites pas l'histoire, vous allez tout, voilà, vous suivez, je dis pas se mettre dans la rang comme des militaires, forcément. Après, moi, j'irai contre les militaires, très vite, il en faut. Mais c'est-à-dire que, voilà, il faut un peu de souplesse, aussi. Voilà, c'est pas la guerre, le matin. Donc, quand je fais les charlottes, ouais, je reviens, machin. Je fais des croissants, des brioches, des boules de pétanque, comme on dit quand on fait des Paris-Brest ou des Paris-Toulouse, comme vous voulez. mais voilà, il faut un peu de discipline, bien sûr, à la façon militaire, carré, bien sûr. Parce qu'une charlotte, c'est pas un Paris-Brest, c'est pas une religieuse. Dis-donc, on va pas se faire des religieuses plus, c'est pas trop de religieuses. Et ça serait pas de bon dog, mais. Allez, je me détends un peu. Je bois mon petit lait. Bon, mais des éclairs, tout ce que vous voulez. Voilà, des cheese cake, tout ce que vous voulez. Bon. Il faut un peu de discipline quand même. Voilà, un savoir-faire. Donc voilà, de la rigueur. Et puis, ils sont rigoureux, mais plutôt que n'importe qui. Et puis, j'entends, voilà, ça s'adapte pas, mais ils s'adaptent. Après, quand ils font leur pause, ils font ce qu'ils veulent. Peut-être ils peuvent faire leur petite prière si ça les intéresse. Tant qu'ils ne passent pas le temps imparti pour faire leur prière, eh bien, qu'ils fassent leur prière aussi, ça fait la bénédiction sur nos croissants et nos chocolats et nos pains au chocolat, mais t'as mis un goût de chocolatine, hein. Eh, les amis du Sud-Ouest, bisous. Mais t'as mieux, et voilà. Ouais, bien les curés qui bénissent le pays, mais pourquoi ça bénirait pas les chocolatines? Et voilà, tant que les gens, voilà, c'est positif. Il faut rester positif, c'est comme dans un bac. On avance tous dans la même direction. Chacun a ses sensibilités, a ses manières de façonner, de câliner le ballon ovale. Et puis après, voilà, tant que ça va, on avance tous vers la progression. La victoire, c'est possible, si on progresse, mais c'est bien. Maintenant, il ne faut pas que les triangulaires, les émoyés, là, je ne sais pas quoi, là, c'est bizarre. Il était pas comme ça, hein, j'ai l'impression qu'il évolue un peu, comme lui, il me paraissait sympathique, il me paraissait même aux uns un peu intelligent, voilà, il est dans le champ, il était mal, je sais pas, il s'est braqué, voilà, il nous a fait le Dieudo à l'envers, j'appelle ça. Dieudo à l'envers, qui était fort sympathique aussi, puis qu'après, voilà, il s'est focalisé sur voilà, une religion, une confession, des pratiques, voilà. Passons. Faut être large, dans lui, pas de vue large, de d'esprit large, voilà, les épaules solides et larges si possible, dans la mesure de possible. Alors justement, tout le monde n'est pas fait pareil, faut le cacher, tout le monde n'est pas massif, tout le monde n'est pas large, tout le monde n'est pas ouvert, j'ai envie de dire, dans la métaphore physio-physique, voilà. Donc il faut aussi accepter, quoi. Mais en même temps, il faut pas que le manque de l'ouverture des ailes empiète sur la largesse d'esprit des autres et qu'on s'en foute le bordel. Bon. Mais là, j'ai pas les coutumes, les traditions, les textes, les gens. Voilà, c'est compliqué ces choses. On peut pas dire des choses en une phrase alors qu'il faudrait un livre et une bibliothèque pour en faire le tour, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, moi, voilà. Tous les textes sacrés, c'est compliqué un peu. Voilà, pour cette histoire, dormir debout, dormir assis ou allongé comme vous voulez, dans la position qui vous va, mais en tout cas, c'est un peu complexe. C'est un peu, voilà, c'est profond, et puis c'est une histoire ancienne. Voilà, donc commencez pas. Ou alors, si vous commencez à analyser les choses, c'est comme le rugby. Quand vous commencez à analyser le rugby, c'est pas le pépé du coin qui va arriver, qui connaît pas, qui n'a jamais mis un pied sur un terrain.
qui s'est pas frotté à la mêlée, qui s'est pas frotté au plaquage, qui a pas fait des belles chandelles, qui ouvre le jeu et qui faut respirer, des appels de balles, des tirs en touche, voilà, des cadrages débordements et tout ce qui s'ensuit, qui vont pouvoir donner leur avis alors qu'ils n'ont pas touché une bille, hein, une bille au vol, mais une bille quand même. Ouais, j'avais touché leur bille. Mais c'est pareil. Vous connaissez pas, les théologiens nés. Il faut avoir un avis global. Ben, enfin, bon, un avis global sur des choses précises. Excusez-moi, mais j'avais envie de dire, ça passe un peu à côté, c'est un peu hors sujet, voilà. Bon, on pourrait avoir des perceptions, bien sûr. Mais, voilà, il faut ouvrir les choses. Si vous les empêchez de respirer, vous les empêchez de faire leur prière, vous allez empêcher, leur donner pas les moyens de faire leur prière, vous n'avez pas les moyens de vivre leur religion qui leur appartient. Mais vu comme vous voulez, ils vont pas être à l'aise, les gens. Ben, alors, bien sûr. Il y a mis de dire, on est en France, bien sûr, on est en France, mais enfin, bon, il faut ouvrir un peu les choses. Bien sûr, la France, c'est pas l'Afghanistan, on va pas, mais c'est pas le Maghreb, mais enfin bon, ça veut, c'est pareil, vous avez des gens qui vont en vacances au Maroc, à Agadir, ou alors ils vont, je sais pas, en Tunisie, à Sousse ou à Djerba ou tout ce que vous voulez, ils vont pas mettre la gamme d'Ora et commencer à faire, on les force pas à mettre la gamme d'Ora non plus, les babouches, il y a de dire, voilà, ils arrivent, ils sont européens, ils repartent, ils sont toujours européens, voilà, mais c'est pareil, il faut ce qui marche de l'autre côté, mais dire, allez, ça doit marcher du côté de notre rivalou, allez. On va pas forcer la France, c'est la France, c'est bien les Tunisiens, c'est la Tunisie, mais les gens qui sont, qui vont là-bas, qui vont s'établir, mais c'est pareil, ils vont s'ouvrir à la culture locale, mais on les forcera pas à devenir Tunisiano-Tunisien, ou comme là, on va pas forcer complètement les gens à devenir franco-français. Alors je veux bien qu'ils s'adaptent, voilà, on parle d'assimilation, d'accord, mais c'est-à-dire que j'ai envie de dire, voilà, c'est mon point de vue, mais enfin bon, c'est parce que j'ai pas exactement, c'est le bon sens que j'ai envie de dire, mais on va pas faire d'embrun un blanc ou un blanc, un brun, moins de l'utène. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut forcer un peu les choses. Et quand on force, et voilà, ben voilà ce qu'on obtient. Après, voilà. Moi, je dis, il faut l'ouverture d'esprit, des deux côtés, il faut s'intégrer, mais en même temps, il faut accepter. Voilà, il faut que les uns acceptent, les autres s'intègrent, et inversement proportionnel, et après, ça fait une bonne marmelade, et puis qui va bien, et puis on fait des bons mélanges, et si on veut pas mélanger, mais on mélange pas, mais on ne se prend pas la tête. Et voilà, c'est tout. J'avais envie de dire, ensuite, bon, mais je crois que, j'arrive, Daniel, j'arrive, c'est bon. Il est en train de se passer, mais c'est moi qui fais le chou, la crème, c'est moi qui la prépare, parce que lui, c'est pas loin. Lui, il fait un peu le paquet, la pâque, l'emballage, là. Et moi, l'intérieur, la crème, la saveur, c'est moi qui la donne, forcément, monsieur le chef. Non, mais son potation, mais il le sait. Quand il saura faire de la bonne crème, il deviendra chef. J'arrive, Daniel, j'arrive. Il s'impatiente, l'artiste fatal. Bon. Sinon, on va en parler. Bon, voilà, on va en parler de ces choses-là. Après, on va passer à autre chose, parce que ça commence un peu à gonfler. C'est un peu parler du caniveau, là. C'est l'histoire un peu de... Bon. Bon, on parlera un peu peut-être du fait que ça chasse à droite, voire à l'extrême. Bon, on en parlera plus tard, on le sait, parce que de toute façon, la droite, la gauche, ça n'existe plus. Maintenant, enfin, ça existe, mais ça existait. Et c'est le centre, c'est la droite, c'est le centre gauche, c'est le centre droite, c'est plus trop bien. Donc, on va pas rouvrir un chapitre, ça fait déjà un petit quart d'heure. Et voilà, et puis c'est tout. On va dire, on en parlera plus tard, et on parlera de l'histoire de gamins. De gamins in vitro, là, de gamins des tubes à essai, un peu plus tard, hein, de la loterie des gamins, un peu plus tard. Ça fait déjà beaucoup, là. Et on va revenir aux choses concrètes, enfin, concrètes. Matérielles. Parce qu'on en part un peu n'importe quoi, j'ai envie de dire. Voilà, regardez, voilà, je m'en reconnais plus, là. Allez, et bonne journée, hein. Et bon courage. Et faites-vous des bisous, faites-vous des câlinous, et même si c'est un peu, voilà. Un peu brutal, là, enfin brutal, un peu fort, hein, un peu brut de coffrage, faites-vous des bisous doux.